Alors, où est-ce qu'on en était dans les technos? Puisque j'arrêterai le jeu quand toutes les technos ont été faites. Donc là, je suis sur cathédrale. Ok. Ça, c'est quoi? Roulure, ok. Ah, on réduit l'entretien. Alors, qu'est-ce qu'il veut de l'herbe? Ah putain, j'ai pas le... Non, j'ai pas dormi. J'ai Alors, où pas est-ce qu'on en est? le... J'ai pas la voix pour faire dire des conneries. Oh, T'es dans les j'arrive technos, pas à... puisque à faire doc gynéco. j'arrêterai D'habitude, j'y arrive bien, mais là, non. le jeu quand toutes les technos ont été faites. Donc là, je suis sur cathédrale. Alors, la cathédrale, c'est bon. Hop, zèle religieux. Bon, alors on va leur faire leur cathédrale parce qu'ils vont pas tarder à me faire à me gonfler avec ça. Église, maison de guérisseur, cathédrale. Ça c'est quoi? Roulure, ok. Ben, ça tombe bien parce Alors, que réduit quand il est à côté l'entretien. d'une église, ça marche mieux même. Ah oui, c'est vrai, j'ai... Putain. D'habitude, j'y arrive bien, mais là, non. Alors, la cathédrale, c'est bon. Hop, le religieux. Bon, on va leur faire leur cathédrale, parce qu'ils vont pas tarder à me faire me gonfler avec ça. Maison de guérisseur, cathédrale. Ça c'est tant mieux parce que quand il est à côté d'une église, ça marche mieux. Et puis j'ai là une nouvelle souris qui est un peu raide. Est-ce que j'ai de la route en pierre? Pourquoi il veut pas me faire une route en pierre là? Ah, maison du guérisseur, ce serait bien. Ah, il me faut de la brique et
façon, il va me falloir. Ah, puis du textile aussi. Wow. Ah, je ferai une grosse commande de textile. Pourquoi il veut pas me faire une boucle en pierre là? Je suis content de vous, je vous envoie du cuir. J'ai même pas un casque de téléphone qui traîne. Je suis obligé d'éteindre les enceintes là. Même sans les mettre, dès que je les entends là. Sans les mettre dès que je les entends là. Ah, le son, il est trop fort. Oh, putain, mes oreilles. Oh, j'ai voulu mettre un casque, ça m'a explosé les oreilles. Normalement, j'ai tout coupé. Pourtant, j'ai l'impression. C'est quoi ces putains de bruits à la con là que j'entends? Oh, on sent que ça va être une catastrophe cette vidéo.
sens que ça va être une catastrophe cette vidéo.
Une canicule qui déclenche un incendie. Mais normalement, j'ai tout ce qu'il faut en puits. Donc, ils ont largement... Ils ont ce qu'il faut pour arrêter ça. Pour arrêter ça. Bon, apparemment ça rame. Ça rame du cake ce matin. Ça, moi, je préfère la guilde des marchands après. Ah merde, j'ai oublié. Ouais, forcément, bah à chaque fois il me les revend. Con que je suis. Ouais, il en reste quelques-unes quand même. Sans oublier celles liées au scénario qui sont toujours bloquées. In vino veritas, la vérité est dans le pinard. La garnison nous prévient que la populace dans les auberges, ouais, on leur tape dessus ou on envoie les prêtres les raisonner. Alors, sécurité, bonheur ou juste sécurité? Oh, j'ai de la marge. Ah, mais j'ai personne dans la papeterie. Ah ouais, il y avait les pommes de terre aussi. Conflit religieux en hausse chez les paysans. Le nombre d'ouvriers libres non affectés est insuffisant. Tu parles, j'en ai 18. C'est bon. Des chômeurs, j'en ai assez, hein. C'est pour ça que le plein emploi est à 5% et pas à 0. Parce qu'on a besoin d'avoir des chômeurs.
Est-ce qu'on a besoin d'avoir de la main-d'œuvre disponible en cas d'accroissement rapide et temporaire? De la demande. Voilà. Ah oui, c'est la frangine qui avait demandé de la bouffe et des médicaments parce qu'il My crevait de faim. lord, superstition has begun to creep in again among our soldiers. I advise you to build several chapels next to the wall as soon as possible. Through our actions, our soldiers would testify to our commitment and our faith, which will protect them in war. Alors, Monseigneur, nos soldats sont de plus en plus superstitieux. Je vous conseille de construire des chapelles supplémentaires le long du mur le plus vite possible. Ces actions rassurent nos soldats quant à la solidité de notre foi, les protégeant ainsi sur le champ de bataille. Alors, il vous faut du verre, de la bougie et des briques. À combien de bougies? 700, ouais, donc là du coup, faut que je change. Et là, ah oui, j'ai deux fois laine. Vers 600. Brique 800. Ça, brique, non, je risque pas d'avoir. Par contre, j'ai deux fois laine. Ah non, ce que je sais, ce que il faut que je mette, c'est les outils. Guilde des marchands. Alors, châtaignier, noyer, noisetier. Courge, poivron, tomate. Voilà, ça en fait trois de chaque.
c'est qui a bouffé mes bougies? J'ai encore produire de la bouffe à gogo. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Bon, celui-là, c'est probablement scénario. Ouais. Ah, il manque un mec. Ok. Il n'y a pas assez de maisons. Ah, mais j'ai les abris, ils sont pleins. Allez, une église. My lord, we push the barbarians away from the walls. A lot of soldiers are needed to protect that huge area. The king ordered you to mobilize as many soldiers as possible. Monsieur, nous avons repoussé les barbares loin du mur. De nombreux soldats seront nécessaires pour protéger une telle zone. Il veut quoi? 50, oh là là, je peux en faire que 40. C'est-à-dire qu'il me faut une garnison de plus. Les mecs sont à côté de la cathédrale, puis ils sont là.
Ouais, alors nous, on n'est pas trop croyants. J'ai trois nobles. La peste! Ah, si tu veux réduire la population, la peste, y a rien de mieux. Et dire qu'il suffisait de manger du roquefort pour se guérir. Reste 6. Et là, 9 encore. Il faudrait d'autres maisons en fait. Des baraques à 12. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui leur manque? La pierre et de la brique. Poire et cabrette, ramène-nous ça. Saison sèche, chouette. Pour faire les fonds. Pourquoi j'ai les. Putain. Faites au village, claque direct, les musclés. Mais il en reste. Bah, 3 sur 5. Parce que je crois qu'il n'y a que René et Framboisier qui sont morts. Ah ouais, encore des gens qui... sur 10. Oh, ça c'est la boulangerie. 0, 0, donc j'en ai encore au moins 10 à loger. Putain, mais j'ai une baisse de la religion, d'une force. Oh. Oh, 5. Mais ça les traumatise tant de ça de pas avoir de quoi prier. Putain. Ah, je peux pas prier Dieu dans sa maison. C'est la fin du monde.
Alors du coup, non, non, tu vois, entrepôt. Là, 45, putain, il en faut encore 5. Ouais, il est à fond. Oui, du coup, clac, je suis en haul, donc j'ai le droit à des trucs en plus. Alors, qu'est-ce qui va pas? Religion. Alors, religion. Ça doit être dans Église, État. Efficacité de l'Église, plus 30%, religion, plus 100%. Ben voilà. Réduction de l'impôt pour les paysans et les ouvriers. Wow. Garnison, efficacité des postes, ça augmente la sécurité. Ouais, allez, on va les mettre. Putain, j'ai vraiment la religion qui dégringole. Ouais, ça va, 100%. Oh, ça a l'air de bien remonter en fin de compte. 49, ouais, bon, ça remonte. Ouais, quand même. Ici ça va pas. Alors attends, est-ce qu'il y a une église? Ah non, oui, c'est une église. Ah, il manque une maison. Attends, c'est là que j'ai le droit aux grands entrepôts maintenant. Ouais. Juste pour dire d'en avoir un. Juste pour dire d'en avoir un. Parce que j'ai les entrepôts ici. Ouais, il me restait de la place, mais pas tant que ça. Produit de luxe, j'ai pas le textile. Guilde de la noblesse, maintenant mécène. 47. Oh, putain, ça va devenir fou.
Alors, 7 quand même. Pourtant, je produis des médicaments. Ah, mais t'en as qu'un. Ah, faut du verre. Faut de l'huile. Donc, en fait, c'est des herbes conservées dans de l'huile dans des flacons en verre. Quarante-neuf. Ah, il fait des briques pour la le roi vous salue. Il est content de moi. Il est content. Ah, et voilà, et 50 de renfort. Ah, il y a eu 20, 30, 40, donc maintenant 50, donc ça fait 20, 30, ça en fait 140. Donc comme ils vont m'en demander 60, ça va faire 200. My lord, the daily fighting is exhausting our soldiers. It is easy to fall into depression away from home. Please send us a large quantity of wine so that we can fill our barrels in the inn. We want to give the soldiers at least some comfort, to forget about their problems for a moment. Nos soldats sont épuisés sur le point de sombrer dans la dépression. Vous seriez gré de nous fournir de larges quantités de vin afin que nous puissions remplir les tonneaux de l'auberge. Nous souhaitons leur faire oublier un temps leurs problèmes. Oui, des soldats bourrés, c'est vrai que c'est toujours utile. Alors, il manque... Il manque qu'une seule apostrophe, celui d'auberge. Et il te faut 600 de vin. Oh, les alcoolos. J'ai pas autant de raisins, moi. J'en ai où cette ambassade? À mettre à fond, pas grave si on se prend des catastrophes.
Adopte cette politique, augmente la production des maisons de guérisseurs. Tiens, ton pinard. My lord, the generals think that our soldiers are in poor physical condition and have very poor fighting skills. The king wants you to investigate the possibilities of how to increase the physical fitness of the soldiers and improve their war skills. Send all solutions directly to the generals on the battlefield. Monseigneur, les généraux déplorent la forme physique de nos soldats ainsi que leur aptitude au combat. Le roi aimerait que vous trouviez un moyen d'améliorer leur efficacité. Ben, c'est les arts martiaux. Ah mais là je suis en train de faire autre chose. Donc on va faire le noble déchu. Plusieurs nobles fuient le continent, souhaiteraient se réfugier dans notre belle ville. Devrions-nous leur accorder l'asile? Ils risquent d'hériter leur roi. Je ne crois pas, non. Donc ça serait bien pour les paysans, mais pas bien pour un. Au niveau loyauté, c'est pas un problème. Niveau un bonheur, c'est pas un problème. Sinon, ça me fait des marchands et un noble en plus. Et eux, ils payent des taxes. Puis ils achètent des produits de luxe. Alors, ambassade. Ah oui, la guilde de la noblesse, faut que je la... On va dire là. Côté de la garnison pour qu'ils se sentent protégés. Ils vont se dire, oh, comme ça, en cas d'insurrection, on a les soldats qui nous protégeront. Hein? Un petit peu de petite guillotine. L'université, je sais même pas si j'en ai fait une. Je crois pas que j'en ai fait une. Hop. Oh, j'en ai pas fait. Ça fait quoi? Augmente la progression de classe sociale des jeunes adultes de 12 à 20 ans vivant dans la zone d'université. S'il y a assez de place, procure également de l'éducation aux ouvriers, aux marchands et aux nobles. On va faire là-haut. Des paysans qui savent lire. Allons bon. Oh ta gueule. On crée plus qu'il demande un salaire aussi. Alors là, il va falloir plein de trucs que j'ai pas. Là aussi, là aussi. Ça peut attendre. Bah tu vois, ils ont tout pour faire la guilde de la noblesse. Alors qu'il n'y a pas assez de pierres pour faire... l'ambassade. Et pas assez de briques et de verre par l'université.
Alors, il me faut des briques pour les arts martiaux. Des briques. Toi, tu vas chercher de la pierre. Et toi, bah, tu vas chercher du verre. Qu'est-ce que... Comment ça se fait qu'alors que j'ai un élevage... J'ai un élevage de poulet, pourtant des œufs, j'en ai jamais. Je les bouffe... Je les bouffe au fur et à mesure, c'est pas possible. Voilà, puis après il me dira il faut plus. Et là, bah, on fera les armes lourdes. Donc l'étude, il manque l'apostrophe. Des armes lourdes permet à nos soldats d'affronter, il manque l'apostrophe, plus efficacement les barbares des terres sauvages. L'heure de la retraite. Oh, c'est pirates qui veulent. Oh, mais des citoyens, j'ai ce qu'il faut. Attends, ils perdent du bonheur? Ils gagnent en loyauté, mais je perds en bonheur. Bah, je prends le gain de loyauté, mais... Que je laisse pas des pirates prendre leur retraite chez moi, ça vous rend malheureux. C'est... Faut m'expliquer, là. Parce que j'ai raté... J'ai raté un truc là, je crois. Kachuma. Ben, il me faut des briques. My lord, decisive battles lie ahead. Our soldiers must be ready to fight. They must have good weapons, and a weapon is no good if it rains on it. The generals want us to build an armory near the main tower. Tu vois, maintenant ils veulent les armes lourdes. Ah non. Bah ils veulent quoi? Des outils, des briques et du fer. Bon bah des briques, j'en veux aussi, donc j'en veux tout le temps. Des briques. Vrai que normalement, au lieu d'acheter, je devrais faire en sorte... Voilà, faut 4 érudits. Oh, on va vous isoler, les mecs. Bah, attends, parce que là, il me faut des briques, des machins. Ouais. L'ambassade, il faut quelqu'un. Augmente la loyauté dans le rayon. Alors, apporteur. J'ai pas de parfumeur. Ni de brûleur. Bah, le brûleur, c'est pour faire du charbon. Non, vous touchez pas aux enfants. Puis quoi encore? Tout ce qui manque, c'est les outils.
Comme ça, il m'en restera plus qu'une technologie, mais qui est liée au scénario. Oh putain, j'ai plein de gens qui savent pas où vivre. Ouais, forcément, ça. Restera que armes lourdes. Non, c'est pas là, c'est bien, c'est vraiment un bâtiment. Ah, c'est un bâtiment à part. Votre lieu de pouvoir personnel est un hommage à votre génie de dirigeant. J'ai bouffé des outils. MNOP. J'ai 25 ouvriers et ils me disent le nombre d'ouvriers libres non affectés est faible. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers pour transporter des ressources? Ouais, t'as les outils, mais maintenant t'as plus assez de fer. Oh putain. Ah mais c'est... Oh, le démon. Je vais me faire ma baraque. Je vais me la faire là. Ça ira bien. Comme ça. Ah, c'est plus grand. Ah, pourquoi tout ce que je veux mettre, c'est trop grand?
bâtiment, ça. C'est limite trop petit, en fait. Faut une route là. Puis là aussi. Alors je voudrais des jardins à la française. Ma baraque. Ah mais ça apporte rien, même pas un menu, rien. Ah c'est juste symbolique. Oh. Oh, faut que ça se termine là, j'en ai marre. My lord, I bring you bad news from the battlefield. A great battle was fought and your nephew held his own bravely, leading his soldiers. But evil fate overtook him and he was seriously wounded. The generals wanted to take him to the mainland, but he told the last forces that he wanted to stay in the field hospital with his wounded soldiers. You must help us and deliver the herbs and textile as soon as possible. Monseigneur, j'apporte, manque l'apostrophe, de mauvaises nouvelles. Une terrible bataille a eu lieu. Votre neveu a fait preuve d'un grand courage à la tête de ses soldats. Mais sa chance a tourné. Il est grièvement blessé. Et les généraux ont voulu le ramener à la capitale. Mais il a émis le souhait de rester dans l'hôpital, apostrophe, de campagne auprès de ses hommes et de l'infirmière. Aidez-nous à obtenir des herbes et du textile le plus vite possible. Des herbes et du textile. 500 textiles et 1000 herbes. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 500 textiles et 1000 herbes. Ah, j'aime bien les trophées Steam qui réagissent 20 ans après. Ah, mais t'as fait la guilde machin? Oui, oui, il y a une heure. Textile, voilà. Moi j'ai du pognon, on s'en fout. Donc par contre j'ai. Ouais, il n'y a que armes lourdes, mais faut que le scénario me le donne accès. Bah les herbes, je les ai. Ça remplacera celles que je vais envoyer. Bah, je croyais que ça allait faire un hôpital, mais non. My lord, several soldiers have been poisoned by water from a well near the wall. We suspect diversion by our enemies. We cannot afford to have our remaining soldiers poisoned. We urgently need to dig new wells. Any help with resources to build the well is welcome. Monseigneur, de nombreux soldats ont été empoisonnés par l'eau, apostrophe, d'un puits, apostrophe. Ça fait deux de suite. Nous soupçonnons un coup fourré de nos ennemis. Ah oui, il y a de grandes chances. Hein. Un puits qui, d'un seul coup, est empoisonné. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage, apostrophe, de soldats. Et nous devons donc creuser de nouveaux puits. Toute aide sous forme de ressources sera la bienvenue. Oh, putain. L'eau de vie.
Ah, il manque l'apostrophe d'ailleurs. Pas d'herbe. Je vais en avoir. Il te faut du pain, des outils et une tonne de briques. Alors le pain, je vais le faire en dernier parce que il va me les bully. Ou alors je fais 400 briques. Tu vois, j'ai zéro de pain alors que j'ai deux boulangeries qui bossent à fond. Bon, en même temps, je fais pas beaucoup de blé. Je suis même pas sûr de faire assez de blé, du coup assez de farine pour alimenter les deux boulangeries. Enfin les trois boulangeries, parce que j'en ai une qui fait des biscuits. My lord, the barbarians took advantage of the low visibility at night and destroyed several of our watchtowers. We need to fix them as soon as possible. Without watchtowers, the barbarians will have an easier time getting to our wall and fortifications. Monseigneur, les barbares ont profité de la visibilité nocturne réduite pour détruire plusieurs de nos tours de garde. Nous devons les réparer au plus vite. Sans les tours, les barbares ont bien moins de mal à pénétrer nos défenses. Je trouve que pour des barbares, ils savent y faire quand même. Pénurie de logement. Ah ouais. Les abris commencent à être remplis. J'ai 7 nobles. Ah, voyons. Ce qui correspond à la moitié de mes marchands. Et mes ouvriers correspondent à peu près à la moitié de mes paysans.
My lord, the king sends you greetings and thanks for everything you have done for our country in this war against the barbarian. He wants you to know the final battle is coming. Once again, our country needs your knowledge and the knowledge of your wise people to investigate the possibility of making heavy weapons. These weapons will help us to defeat the barbarians. Monseigneur le roi vous salue et vous remercie pour tout ce que vous avez accompli dans la guerre contre les barbares. Il souhaite vous faire savoir que la bataille finale approche. Notre pays a besoin de votre savoir-faire quant à construire la construction d'armes lourdes. Ces armes nous aideront à défaire les barbares. Donc il manque l'apostrophe. Donc on veut, en gros, c'est « Fais-moi des armes de siège !» Ah putain, j'ai pas assez de bois. Alors qu'est-ce que pourrait être une bonne arme anti-barbare ? En fait, je trouvais que j'en faisais trop de tout le temps mettre des sanctuaires à droite, à gauche et compagnie. Mais en fait, j'avais raison. Alors, arme lourde, il me faut du bois. Oh, bah attends... Bon, là, ils en coupent. Alors, on va raser la forêt à côté de chez moi. Ça gêne la vue. Pourquoi vous avez construit votre palais à cet endroit? Il y a... Vous êtes éloigné de la ville? Ouais, mais je suis à côté de la mine d'or. Elle est juste derrière la maison. C'est le mec qui est là, qui surveille. La mine d'or. Taxe royale sur le coton, ouais. De toute façon, hop, arme lourde. My lord, the king decided to bring in more troops and reinforce the northern border. The king asks you to recruit and train soldiers in his barracks and send them to the borderlands. We must not give the enemy a chance to attack us in an undefended place. Monseigneur le roi a décidé de mobiliser davantage de troupes afin de renforcer la frontière nord. Le roi, nous sommes d'entraîner des soldats dans la garnison et de les envoyer sur le front. Nous ne pouvons nous permettre la moindre erreur. Alors, il manque combien d'apostrophes? Alors, davantage. D'entraîner. Bah, il manque, il en manque deux. Donc, il vous en faut 50. Bah, je les ai. Hop. Un nouveau camp. Donc, du coup, ça fait 190, non? Ah, mais il y avait dû y avoir un coup à 10, donc ouais, ça fait 200. My lord, in the last attack, enemy troops destroyed several bridges. Now we have big problems with the delivery of food to the outposts. The generals demand that these bridges be repaired before the final battle. I am sending you a list of the materials they need. Monseigneur, lors de la dernière attaque, les troupes ennemies ont détruit de nombreux ponts. Ce qui impacte sévèrement le transport de nourriture.
Les généraux demandent à ce que les ponts soient réparés avant la bataille, avant la grande bataille. Oh là là. Ouais, je m'aime pas, je regarde les apostrophes. Et il faut encore de la brique et il faut encore de la pierre. Oh putain. Enfin bon, j'ai toutes les technos. J'ai du bois, j'ai plein de pognon. Et par contre, ils ont pas demandé de bouffe. Avec toute l'aide que j'ai apportée en ressources, les soldats que j'ai formés, mon neveu que j'ai sacrifié. Eh, je vais monter en grade, j'espère. Parce que là, le pire, ouais, seigneur, seigneur, mais seigneur, c'est ce qu'il y a de plus bas. Voilà, il y a 7 hérétiques qui ont disparu. Ah bon? Ouais, c'est pas où ils sont. Par contre, depuis hier, qu'est-ce que ça sent le méchoui? Je sais pas ce qui crame comme viande. Ah oui, il est grand ton pont. My lord, our generals have ordered the construction of a dozen catapults. These will be mobile catapults that we will be able to drag through the tower bridge deep into the battlefield. Your task is to provide us with the resources needed to build catapults. Ces catapultes sont mobilisées et capables d'avancer sur le champ de bataille. Attendez les mecs, on n'est pas censé combattre des barbares? Ah, on va combattre des barbares à coups de catapultes. Non mais c'est le roi de Carmélie qui organise l'attaque? Voyons, 12 catapultes, ça en fait des dégâts. Après, ça dépend. Tu catapultes des bottes de foin enflammées dans les rangs ennemis. Imbibées de... Bah, des boules de feu grégois, là, grégeois. C'était fait avec du naft, je crois. Ouais, qui est un dérivé du pétrole. Donc ça s'éteignait pas avec de l'eau. Quand tu mettais de l'eau, ça s'étalait. Pourquoi au port? Ah, c'est la livraison des catapultes. Ok. My lord. The final battle is approaching. Barbarians' attacks are becoming more frequent and brutal. All settlements outside the defensive wall became enemy targets. The king ordered the evacuation of people from those settlements and the construction of a refugee camp inside the defensive wall. The entire refugee camp will be based on tents. You must act quickly and send enough resources. Monseigneur, à l'approche, apostrophe, de la bataille finale, les attaques des barbares se font de plus en plus fréquentes. Bah oui, les mecs, ils le sentent que ça commence à puer du cul. Tous les hameaux à l'extérieur, apostrophe, des murs sont des proies faciles. Le roi a ordonné l'évacuation, apostrophe, de ses habitants vers l'intérieur, apostrophe, du mur, ainsi que la construction d'un camp, apostrophe, de réfugiés. Il sera entièrement composé de tentes. Vous devriez agir rapidement et nous envoyer suffisamment de ressources. Donc il manque 5 apostrophes.
Donc il faut du textile, du cuir et du bois. Alors, cuir. Alors, je vais oser la vanne. Non, parce que les mecs, ils veulent des tentes, on leur envoie des cuirs. Voilà quoi, enfin bon, bref. Ta-la-la-la-la-la-la-la. My dear brother, I am contacting you after visiting my son and your nephew. He is lying in a hospital in the borderland. His health is much better now, so I'm afraid he will soon return to the battlefield. Thank you for everything you did for him in the past, because if it wasn't for your leadership, he wouldn't be so brave and he wouldn't have so many skills that are important in these hard times. Une sœur au front. Voilà. Elle a appris que son fils était à l'hosto. Désolé, mon neveu. Fini les infirmières pour toi. Très cher frère. Donc déjà, ça prouve que c'est un jeu, parce que jamais ma sœur écrirait très cher frère. Elle mettrait petit con. Mais pas très cher frère. Je vous contacte après avoir rendu visite à mon fils, votre neveu. Ah, oui. Cas où j'aurais oublié. Il se repose dans un hôpital, sur le front. Bah oui, mais il veut pas rentrer, j'y suis pour rien, moi. Son état s'est bien amélioré, et je crains qu'il ne souhaite repartir au front. Bah, s'il est resté sur place, c'est qu'il y a une raison. Merci pour tout ce que vous avez fait pour lui par le passé. Sans votre assistance, il ne serait jamais devenu aussi brave et n'aurait pas appris tant de choses en si peu de temps. Bah, moi, je l'avais mis apprenti potier. D'aller faire la guerre, c'était son choix. Hein. Je ne l'ai pas obligé. Hein. Alors, des médicaments et du textile. Waouh. Putain, comme elle raquette la frangine. Et là, t'as le neveu, quand il revient de la guerre, et qui te dit « Eh, tonton, t'as vu tout ce que j'ai fait ? Ouais, ouais, ça m'a coûté cher. Ah oui ? Ah oui ? Avec ce que ça m'a coûté, t'aurais eu des putes à vie gratuits. » Donc, non. Ça m'a coûté cher, mec. Ah, tu... N'empêche, ça rentre le pognon. Hein. Oh putain, ça rentre le pognon. 4984 contre 1465. Et je viens de me rendre compte que je vais devoir biper ça au montage. Sinon, sur la chaîne de Rediff Twitch Imitsu Retro Gaming, sinon, je vais me prendre un strike pour insulte. My lord, everything is ready for the final battle. Your nephew has recovered well and is going back to the battlefield. Because of his great accomplishments, the king declared him a general. He and the soldiers he leads will be the striking force of our army.
Our whole country will help our soldiers to defeat the enemies. Monseigneur, les préparatifs sont terminés pour la bataille finale. Votre neveu est remis sur pied et se rendra sur le front. Ouais, mais il a un mot de sa maman pour partir se battre? Bah, je crois pas, hein. Ces hauts faits ne sont pas passés inaperçus et le roi l'a fait nommer général. Ses soldats et lui seront le fer de lance de notre armée. Tout le pays est derrière nos soldats, nous vaincrons coûte que coûte. Comment ça, mon neveu, il est général? Voyons, à l'époque générale, ça ne devait pas être comme maintenant, hein, parce que t'as le neveu qui devient général. Mais ça fait pas de lui un noble. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ben, on veut 60 soldats. Ben, j'en ai que 34, donc vous allez devoir attendre. Des forçats. Non, on veut pas de criminels. Ça va me faire baisser ma sécurité. Toujours des problèmes de logement. Ah oui, il y a toujours des problèmes de logement. Ah, sur le bord de mer, le loyer il est plus cher. Ah, la cote mobilière. Non, pas la cote mobilière, parce que la cote mobilière, c'était la taxe d'habitation, non? Les mecs qui se disent ouais, il y a de la place, on va pouvoir avoir une famille nombreuse. Ouais, je vois ça. Opposition au roi. Alors, allez vous faire couper la tête. Moi, je me mets pas en colère contre le roi. Alors, mon neveu qui bosse pour lui. Cet abruti, pour me piquer la place, il serait bien capable de venir m'arrêter. Ouais, tonton, comment ça tu trahis le roi? Ça le fait pas. Je t'arrête, comme ça je récupère... les terres. Oh, on la connaît, hein, l'astuce. Hein. Je lui ai appris. Bon, bah non. Alors, j'en suis à 44. Oh, putain. Tu sais, je peux pas accélérer. Hein. Je peux pas... 12... 12... Donc ça fera 260. Ah, lui il est plein. Bonne heure, 98. Santé, 98. Sécurité, 98. Immigration, 99.
Loyauté 99, religion 100, éducation 99, produit de base 99, produit de luxe 100, impôt 98, logement 99. Oups, c'est la teuf. J'ai que ce problème de baraque. 189, toi je vais arriver à 200. Allez, on va faire disparaître quelques citoyens. De toute façon, j'ai du rab. Et puis on sait jamais, ça fera un peu de place dans les maisons. Ouais, encore 10 familles en attendant les abris. 50. Allez, encore 10. Allez, vous êtes deux. Si vous vous y allez en même temps. Marc, 7, became a soldier. Car quoi, qu'à 7 ans, il est devenu soldat? Guilhem, 6, became a soldier. Pff. Putain, en plus, on les prend au berceau, les gars. Allez, va te battre pour la nation. Arre? Mais ouais, c'est ça, arre. Allez, va te battre, feignasse. Dawan? Ah, mais c'est trop. Haut. 746 de cerises. Une tornade. Ça occupera. Ça, c'est le problème de jouer en accéléré. Ça déclenche des catastrophes. J'ai rien senti. Peut-être parce que j'ai des maisons de briques. Peut-être que les maisons de briques, les tornades peuvent pas les péter. Waouh, c'est plein. Pourquoi c'est plein? C'est plein d'imbriglans. Oh, tu as un poste de garde. Ah mais oui, c'est vrai, je peux tous les transformer en poste de garde maintenant. C'est à chaque fois j'en construisais des nouveaux. Hop là, poste de garde. Oh, comme ça augmente la portée. Wow. J'en ai pas un par là, si. Là aussi. Pâturage. Ah ouais, les ruchers, les mecs, j'ai l'impression que ils sont pas très doués pour faire du miel. J'en ai jamais. Ah, 58. On y est presque. Ah.
Pénurie de logement. T'en fais chier, mec. Ouais, y a pas de baraque chez toi, machin. Ouais. C'est pourquoi vous venez aussi. Vous savez qu'il y a pas de baraque chez moi. Problème de stockage, ouais, ça arrive. Oh, on va pas faire une maladie pour un rat qui a bouffé 3 graines. Et on va refaire un abri là. J'ai plus assez pour... Hop, allez. Baston. Ouais, ils ont fait une nouvelle forteresse. My dear brother, I am contacting you from a field hospital. I decided to help our wounded soldiers. I am also closer to my son here. Every day we make progress on the battlefield, but we also have more and more wounded. Our king is sending us a lot of necessary resources, but the supplies in the mainland are exhausted, so I'm asking for your help. Très cher frère, je m'y fais pas. Je vous contacte depuis un hôpital de campagne. J'ai décidé de venir en aide à nos soldats blessés et je pourrai ainsi être plus proche de mon fils. Ici aussi, chaque jour est une bataille. Nous avançons tant bien que mal, mais les blessés continuent d'affluer. Le roi nous fait parvenir de nombreuses ressources, mais tout vient à manquer sur le continent. J'ai besoin de votre aide. Alors, combien il manque d'apostrophes? Alors, j'ai... Afflué. Et j'ai, donc il en manque 3. Donc, elle est devenue une Marianne de France. Et elle donne des conseils à ses amies infirmières qui sont tombées enceintes de soldats en convalescence. Médicaments, textiles, cuir. Oula, je suis blindé de pognon en plus. Alors. Ah. Si je devais attendre de les produire moi-même, on ne serait pas arrivé. Hein. Ouais, je vais dire, putain, s'il était déjà rempli, lui. Mais il y a vraiment du monde dedans, ou... 3, 4, sur 12. Maison, briques. Ouais, c'est ça. C'est ça là que je... Ouais.
la garde. Elle est calmer les ivrognes. Un coup de mandale. Ce qui serait bien, c'est qu'à la fin du scénario, ils disent « Vous avez envoyé tant de ressources. C'est X fois ce que vous avez dépensé pour construire votre ville. » Mais c'est vrai qu'une guerre, c'est... Alors, c'est ça le pire. C'est qu'au Moyen-Âge, on faisait la guerre pour avoir des ressources, mais faire la guerre coûtait des ressources. Donc à un moment, tu avais envie de leur dire le bénéfice... Je sais pas comment vous comptez, les mecs. Ah, je bouffais du textile. Faut que je recommande du textile. Combien de médicaments? Si tu veux, Arcava m'en redemander. J'ai du fric à perdre. Frangine, c'est pas bien d'utiliser, c'est du népotisme là, hein? Tu t'incrustes dans l'hôpital où ton fils est soi-disant blessé, parce qu'il est reparti se battre, tu réclames des ressources à ton frère, tout ça parce qu'il est seigneur, non mais attends. My lord, the battle is entering its final chapter. Our enemy is getting weaker and we are pushing them further and further from our walls. But the area we are protecting now is very large, and we need more soldiers. Now is the time to mobilize all available people and train them. We hope that you will be able to send us enough soldiers as soon as possible. Monseigneur, la bataille touche à sa fin. Oui, enfin, ça fait un moment que tu dis ça. Notre ennemi est affaibli, et nous le faisons reculer sans relâche. La zone que nous défendons désormais est cependant immense et davantage de soldats sont nécessaires. Mobiliser toutes les personnes disponibles et de les entraîner. Nous espérons recevoir des soldats d'autre part. Tu vois que ça va être 60 encore. Mais à chaque fois, j'ai pas le temps de renflouer. En fait, il en faut plein de garnisons. Ah zut.
Hey, j'en ai pas beaucoup de bougies. Je consomme. Où est-ce qu'il est le fabricant de bougies? Gagner les faveurs de l'église. Bon, disons que c'est surtout moi en perdre. C'est plus ça que vraiment gagner les faveurs de l'église. Six, presque la moitié. Avancément, s'ils sont tous vides, ça, à chaque jeu, chaque tour, j'en ai quatre à chaque tour. Rapide. Ça me bouffera de la laine. Putain, ça va si loin que ça, la production des ruchers. Alors, c'est notre jour de chance, monsieur. Un capitaine de la région s'est organisé. J'accepte en sachant que c'est de l'arnaque. C'est juste pour dire de claquer du pognon, en fait. J'ai déjà poulet et mouton, donc normalement il reste vache. Poulet, mouton, cochon et vache. Ce qui fait que ça me fait du lait, du bœuf et du cuir. Non, puisque la viande de bœuf, un bœuf c'est un taureau castré. Et un taureau castré il fait pas du lait. Hein. Il fait même pas du non plus puisqu'il est castré. Donc
Cochon, c'est que de la viande. Et le sindou. Ouais, avec le cochon, t'as le sindou. C'est génial, le sindou. C'est la graisse animale la plus saine. L'église a besoin d'argent. Bon dos, l'église. Bah, comme ça, tiens, ça me fera de la laine qui ira directement... Et on est à 46. C'est lent. Moi, chez moi, tout le monde a des super baraques. Même les mendiants. Ça, c'est du logement social. Quelle est votre politique de logement social? Bah, vous voyez le quartier là-bas avec les baraques à 4000 balles qui coûtent super cher, ouais. Bah, c'est des logements sociaux. Ouais, c'est le village olympique qui va se transformer en logement social, ouais. À Paris. Personne veut vivre là-bas. En même temps, ça continue une autoroute. Je sais pas ce qu'ils pensaient, les mecs. Hein. Il y a l'air d'avoir quand même une sacrée bande d'incapables qui bossent à la mairie de Paris. Hein, parce que ils ont... Oh. T'allais faire ça à côté d'une autoroute, dans des quartiers où le taux de criminalité est super élevé. Le roi vous salue. M'a envoyé du pinard. Ouais, j'espère que c'est de sa cave personnelle, hein. Il me reste que 3-4 baraques encore que j'ai pas encore monté. Par contre, mon problème de logement, zéro. Ah, 9. Et là, 10. C'est pas encore ça. Et voilà, 60. Elles ont monté une palissade. My lord, the barbarians set fire to several of our defensive towers while retreating. We want to restore them as soon as possible because they provide security for our soldiers on the battlefield in front of the wall. We will strengthen them and make them bigger so that we can protect and monitor as large an area as possible. Monseigneur, les barbares ont mis le feu à de nombreuses tours de défense lorsqu'ils ont battu en retraite. Nous souhaitons les restaurer dès que possible car elles fournissent un abri sûr à nos soldats sur le front. Nous allons les renforcer, les améliorer afin de couvrir la plus grande zone possible. Ou, enfin, c'est moi qui dois fournir le matos, outils, bois brut, briques. Bon, on va essayer de finir. Hein ? Comme ça, on va pouvoir passer un autre jeu. Alors, si je me souviens bien... Toutes les technologies avaient été faites. Ouais. Donc la campagne. On arrive au bout du combat contre les barbares. Le neveu est devenu général. La frangine, elle bosse dans l'hôpital militaire.
Ah, il faut du bois et des briques. Oh, putain, il faut un paquet de briques. Hop. Qu'est-ce que je fais? Ah, pourquoi je peux pas tourner la caméra? Caméra. Bon, ben, on va faire avec. Il y a du pognon, donc on va acheter ce qu'il nous faut pour remplir les missions. On va pas se prendre la tête. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ouais, je vais peut-être pas avoir assez. Mais putain, mais à chaque fois je me gourde touche. Où est ma caravane? Ah, c'est ça. Hop, on va accélérer. On veut plus de maisons. Ouais, mais là, j'ai besoin des ressources pour la campagne. Donc, ce qu'il me reste quelques baraques que j'ai pas fait évoluer. Boulangerie. Améliorer les fours. Ouais, c'est ça, il y en a qui se plaignent de ne pas avoir de maison. Bah attends, les abris sont... Il y a encore de la place dans les abris. Ouais, il y a encore de la place dans les abris. Oh, pas exagéré quand même. Pénurie de logement. Là en bas, ok. Non, j'ai assez de monde. J'ai assez de bouffe aussi, mais bon. J'ai combien de chômeurs? Assez d'ouvriers, ce qu'il faut pas entendre. Je sais pas pourquoi ils me disent que j'ai pas assez d'ouvriers pour transporter les ressources alors que j'ai une quarantaine de mecs qui branlent rien. Mouton. Bah, c'est le poulet. Ah bah du coup poulet, mouton. Ah ouais, voilà. J'avais refait pour me débarrasser des autres.
Souris, c'est pas ça. J'ai une souris neuve, mais tant que j'aurais pas reçu. Mais problème de tapis. C'est bon, j'ai tout. Hop. Dear friend, now that all suffering is gone and the battle's finally won, victory is decisively ours. Peace has returned to the hearts of our residents. This would not have been possible without your great help. You and your nephew have put our kingdom in debt for all time. He pushed the barbarians far from our borders with la souffrance n'est plus et la guerre est gagnée. La victoire nous appartient. La paix est revenue dans les cœurs de nos citoyens. Rien n'aurait été possible sans vous. Le royaume sera éternellement redoutable à votre neveu et vous. Il a repoussé les barbares loin de nos frontières grâce à sa force et à son courage. T'as qu'à l'anoblir. Hein? Puis moi, tu montes en grade? Ah, donc en fait, ça y est, j'ai fini le mode campagne. Oh putain. Oh, j'aurais pu. Si j'avais continué 10 minutes de plus dans la dernière vidéo, j'aurais pu finir. Eh ben, quand vous verrez cette vidéo sur la chaîne de Rodi Fimitsu Retro Gaming, je fusionnerai la vidéo 6 et la vidéo 7 pour en faire qu'une. Voilà, donc là, comme ça, ça économisera une vidéo. Voilà. Donc toutes les technologies sont développées, tout le mode campagne. J'ai fait tout le mode campagne. Alors, que dire sur le jeu? Il nous est vendu comme un successeur de Banished, qui est un jeu de construction, c'est un city builder de survie, comme on dit. Alors, c'est bien un city builder de survie, mais le niveau de difficulté n'a absolument rien à voir. Jamais j'aurais fait une ville aussi grande sur Banished aussi facilement. Banished est vraiment beaucoup plus dur. Bon, là, je suis en facile, hein, donc facile, puis j'étais en mode histoire, donc je pense que ça joue. Mais même dans le mode le plus simple de Madish, je galérais beaucoup plus que ça. Mais ça reste un bon jeu. Donc je pense qu'après, si vous voulez du défi, augmentez un peu le niveau de difficulté, tout simplement. Ouais, voilà, 12 places, il y a 3 glampins dedans. Là, les baraques. Ben, j'ai pas assez de briques. Voilà. C'est un bon jeu qui a une bonne prise en main. Il est facile à prendre en main. Que dire d'autre? Bon, on va arrêter. Alors, je vais pas arrêter la vidéo, je vais arrêter ce jeu. Voilà, parce que je voulais. On va arrêter ce jeu sur Twitch.